Hello les mineurs de la gratte, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo d'assemblage de Slash Tribute 2.0. On se retrouve tout de suite après le générique. Et oui les amis, je suis enfin sur l'une des dernières vidéos pour Slash Tribute 2.0. Après toutes les petites galères que j'ai pu avoir sur cette guitare, j'en suis enfin à la fin. Alors tout d'abord, je tiens à vous prévenir que c'est peut-être la dernière vidéo de la saison. Peut-être que j'en ferai une ou deux, mais j'en suis vraiment pas sûr, car je vais prendre un petit peu plus de temps pour moi pour pouvoir avancer quelques petits projets perso et aussi avancer des guitares et avoir de la vidéo d'avance. On se retrouvera sûrement et bien plus que sûr en septembre avec plein de nouvelles guitares et plein de projets. Surtout, bientôt on approche des 500 abonnés. Alors j'en suis encore un petit peu loin, il reste une centaine de personnes à venir s'abonner à ma chaîne. Mais dès qu'on sera aux 500, je vous promets de faire ce concours que je vous ai parlé il y a quelques temps. J'ai déjà des idées, j'ai déjà prévu comment ça va m'organiser. Donc faites tourner un petit peu la chaîne et je vous dirai comment participer à ce concours pour gagner une guitare personnalisée. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je suis enfin sur la fin de Slash Tribute 2.0. J'ai eu quelques petites galères. Ceux qui m'ont suivi depuis le début sur cette chaîne ont vu par quoi je suis passé. Je les ai réglés et enfin la guitare est jouable. Je peux régler l'intonation sans aucun problème. Donc j'en suis très content d'avoir avancé sur cette guitare et de la finir. Pour ce qui est de la partie technique et de ce que j'ai fait dessus, pour la partie illustration, je l'ai verni en satiné sur la table. Pour le manche, j'ai fait un vernis Odys Oil pour un toucher un peu plus sensitif et je trouve plus agréable. Bien sûr, j'ai remplacé les chevalets et cordiers par des chevalets et cordiers Goto. J'ai installé des humbuckers Sam Mordenkahl Signature Slash. J'ai refait l'électronique, j'ai retravaillé toute la planimétrie et surtout les frettes. Alors ce qui était très intéressant à voir, du moins très bizarre à voir, c'est que les frettes en fait n'étaient pas complètement enfoncées. J'ai vu qu'il y avait quelques problèmes de niveau au niveau des frettes et simplement en tapant avec un petit maillet, j'ai pu remettre à niveau les frettes et j'ai eu beaucoup moins de travail, sur les frettes pour faire de la planialité. Ce qui était assez étrange, mais bon, ça prouve que tout ça s'est fait par machine, par CNC, que c'est fait vite fait, sans trop vérification. Et donc, ben, là encore un de mes conseils sur ce genre de kit, n'hésitez pas à vérifier la planimétrie, et surtout, ben, des fois, juste retapoter sur les frettes, les enfoncer correctement, et vous avez très peu de travail à faire derrière. J'ai posé aussi les mécaniques Goto que j'avais prévu de mettre sur cette guitare. Donc globalement, j'ai reposé tout l'accastillage, j'ai fait toutes les finitions, j'ai nettoyé tout ce qui est banding. Et puis voilà, la guitare est quasiment finie. Je vais sûrement faire une vidéo full build pour pouvoir vous montrer toutes les étapes que j'ai fait sur cette guitare en une seule vidéo. Ça sera une seule vidéo un peu comme celle que j'ai fait la semaine dernière pour la Festing Caster où il n'y aura pas de commentaires, vous verrez juste les images, ce qui permet de voir un peu tout le travail sans trop être embêté par les commentaires. Et je ferai sûrement une vidéo test et descriptif pour la rentrée. Ça va dépendre comment je m'organise pendant cet été. Voilà les amis, tout ce que je peux vous dire à peu près sur cette guitare et le travail que j'ai effectué pour la fin de cette guitare. Je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve tout de suite après.
Alors les amis, qu'est-ce que vous pensez un peu de cette guitare et du résultat final, de tout ce que j'ai fait dessus? Là, je vais vous la présenter, elle est juste à côté de moi. Et je vous ferai aussi une petite vidéo à la fin de cette vidéo globale, où je vous mettrai des petits visuels un peu plus sexy de l'ensemble, un peu plus proche pour voir un peu le travail qui a été fait dessus et le résultat final. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça me permet de savoir un peu comment vous voyez mon travail, et surtout ça me permet de progresser. Donc Slash Tribute 2.0, enfin fini, je vous la montre, hop, la voilà, j'espère que vous la voyez bien à l'écran, je vous montre de plus près le dessin, hop, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire du résultat final. Comme je vous ai dit, il y aura quelques petites images un peu plus sexy sur la fin pour montrer l'ensemble. J'ai passé pas mal de temps dessus, mais je suis assez globalement content du résultat. Par contre, mes aventures que j'ai eues sur ce kit m'ont donné de moins en moins envie de travailler sur des kits et de vraiment construire de plus en plus mes propres guitares. Bien sûr, ça va dépendre des budgets de chacun qui voudront travailler avec moi, mais en fait, ce genre d'aventure m'a montré qu'il y a beaucoup de choses à vérifier et que des fois, ça donne plus de travail au final que de construire sa propre guitare. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en commentaire. Comme ça, je peux savoir si la guitare vous a plu et progresser encore un peu plus dans le genre de délire que je peux faire sur ce genre de guitare. Ça permet aussi de référencer la chaîne et la vidéo. Et ça me donne du baume au cœur et ça me donne envie de continuer dans cette aventure. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner, à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je pourrai faire, surtout à la rentrée quand je vais revenir avec plein de nouvelles vidéos et de nouvelles guitares. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Je mettrai peut-être quelques petites photos pendant l'été. N'hésitez pas à vous y abonner, je vous mets les liens en description. Si vous voulez voir un petit peu plus de mon travail de peinture sur guitare, je vous invite à aller visiter mon site que je mets en lien en description. Vous pourrez voir toutes les peintures que j'ai fait sur guitare, donc les guitares finies, et vous pouvez aussi me demander une demande de devis, avoir un avis sur un projet que vous avez en tête. N'hésitez pas à me contacter par ce site. Sur ce, les amis, je vous laisse avec les dernières images de Slash Tribute 2.0. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et que la force soit avec vous.